Et bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Euro Truck Simulator 2 avec Sabdam, Nico et Capo. Et aujourd'hui, on est parti pour l'Autriche. Allez, c'est parti. Elle rapporte combien la tienne, la rue 35 000. Et Nico 34, je crois. Moi, ouais, je suis pas bon là. Je vais pas pouvoir le faire là. Je suis pas allé assez loin. Il faut que j'aille réparer mon camion par contre. Alors, qu'est-ce que t'as fait hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris le camion que t'as pas rangé. Moi, je me suis pris aucun dégât. Ouais, bah oui, parce que toi, tu l'as juste mis sur le côté mais, en fait. Non, mais parce que lui, il a enlevé tous les dégâts en fait. Ah bon? Non, j'ai pas enlevé les dégâts. Non, c'est fou. Je sais pas si tu peux les enlever. Ouais, t'es... Non, t'as fait trop court. Je crois pas qu'on peut les enlever. Ah, je crois pas. C'est où par contre? C'est pas dans cette entreprise là? Non. Et là où ils étaient eux? Non, on peut pas enlever les dégâts. Quand je suis à 5% de dégâts. C'est pas foufou. Attends, mais j'ai marron. J'allume pas marron. Merde. Bah alors, elle rue. J'ai pas le compas dans l'œil là. Ah bah là, ouais, ce soir là. Comment on allume la rampe? Je vais être trop court ici là. Comme toi. Comment je peux allumer ma rampe? Ça je sais pas, j'en ai jamais eu de rampe. Voilà. Chargement. Et Nico, tu peux passer le chargement en faisant entrer, hein, si t'en as marre. Non, je m'entraîne. Ça me va, moi. Je te laisse la place. Mince. J'ai débraqué trop tôt. Oh non, ça va le faire. Ça va le faire. Alors. Il y a 40 heures encore. Ça va. Je sais pas, c'est la première fois que je fais un truc aussi long, quand même, là. Alors, Nice, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Ouais, il va nous faire passer par Gênes. On est obligé. En venant de Nice, tout Vérone. Innsbruck. Salzbourg. Et Linz. En train de charger, Capo? Non, attends, j'ai essayé d'allumer ma rampe moi-même. Il fait jour? Attends, j'arrête. C'est bien chargé. Ouais, mais là, ça m'énerve de plus l'allumer. J'arrive. Voilà. Ça, il est où ça? Charge. Je sais pas. Toujours en dépôt. Hein? Mais t'as réussi à décharger? Je suis en train de décharger. Il est où, je vois? Ah, il est là! D'accord, il est caché derrière. Oui, de l'autre côté pour le déchargement. On va le gêner du coup en plus pour le charger. Non mais lui il a juste une remorque à accrocher, ça va. C'est vrai, ouais. Je vais sortir, je vais réparer par contre. Attention, tu m'embroches. Attention Capot, quand tu vas arriver. On te libère la place. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est, Nico, peut-être? Ah non, c'est bon, rentre. Là, je suis bon, un endroit où je suis. Je regarde juste sur la map, justement, où est-ce que je peux réparer, parce que là, ça va pas le faire, la route, là. Oh, punaise, en plus, y a rien, là. Si, y en a un, là. Y a pas de collision, là, c'est bon? Je vais le mettre. Non, ouais, là où je suis bon, ouais. Quand je suis dedans, c'est bon. Je suis à combien, moi? Je suis à 2% et 3%.
Moi je vais aller réparer parce que non, je suis à 28 donc je répare absolument là. Bon bah je commence à rouler doucement. Ouais. Vous allez me rattraper, je vais rouler à 30. Sur l'autoroute aussi. Ah mais en plus je suis con, j'aurais pu passer de l'autre côté. 35. C'est pas grave. Il y avait un truc pour réparer juste à côté de là où on était. Bah il me semble, ouais, parce que... Enfin non, je sais pas, non, je crois pas, non. Mais c'est juste que je me suis trompé de route. J'aurais pu faire plus court, en fait, pour tourner. Parce que j'ai là, j'ai fait le tour de côté de maison. T'aurais dû me suivre et puis aller à droite, plutôt mais à ouais. Où, non. C'est ça. Mais oh, tiens, coup, je vais peut-être aller réparer aussi. Et aller dormir, il y a une aire de repos à côté du réparateur. Oui, c'est vrai, t'as raison, en plus, oui. Je suis... Combien de sommeil, là 3h30, oui, ça sera pas suffisant, ça, c'est sûr. Attention le dodan à 40, youhou! Voilà, c'est un truc fragile là qu'on a, on a quoi là? Amortisseur, ça doit aller je pense. Ça amortit s'il y a des gens. C'est ça. C'est du courrier, alors autant te dire que... Oui. C'est pas fragile du tout. Alors le dodan il est par là je crois. Ouais, il a le dodan. Ah, je vais faire réparation et repos aussi. Ouais, mais... Tu suis le GPS et c'est au feu à droite. Ouais, ouais, moi je suis, j'arrive derrière. Eh bah ça y est, il pleut. T'as fait au feu de fête de l'autre côté, c'est ça? Non, ouais. Tu as pris... Tu prends le même truc que nous. Le même truc que moi, là, tu peux prendre. Tu fais échappe, tu fais la barre du haut et tu prends soit le même truc que moi et Capo, soit le même truc que Nico. Capo et moi et ou que Nico. Tu cliques sur Nico ou sur moi. Ouais, c'est vert, j'ai pas vu. C'est bien. Ah, moi je gagne un peu moins parce que c'est pas ma remorque. Oui, du coup, ouais. Vous avez pluie, orage et brume ou pas? Non, moi il fait beau. Oui, j'ai pluie, bon. Orage et tout le bordel. Moi. Préparez-vous, ça arrive. Oh, dégâts 5%, quel con. Je vais faire réparer mon camion. C'est pour ça qu'on ah, est... tu me suis alors. Si veux, mais 5% ça va encore, mais... Non, mais après, parce qu'après, tu galères pour... 1000 balles. C'est à droite. Bah, ça va, 1000 balles, c'est petit, là. Hein. Là, je vais avoir moins pour 10 000, moi, minimum. Oh, punaise, je suis passé avant le train. Ah bah, moi, j'ai je pas dors. De train, hein. Ah, si. La barrière se ferme devant moi. Et ouais. Ça, tu pourras pas le passer, hein. Ah, je suis trop loin. Et ça freine mal quand il pleut. C'est pour ça que moi je roule quand il pleut. Vous vous attendez qu'il pleuve? Ah, oh, c'est un qui pleut là. Il fait 3 km le train. Allez. Ah, ça y est, il pleut. Bah, pas chez moi. Je dois avoir un microclimat. Bah, attends. Comment on fait pour choisir le réparateur? Oh, tu choisis, tu vas sur la route au réparateur, là où on est. Ouais. Suis ton là GPS suis, ouais, et c'est au feu rue. À droite. On regarde sur la map, cette dame. Mais tu fais F5, mais tu vois rien. Suis ton GPS. Il te dit ouais, pour la mission et c'est, ça sera au feu à droite. Et ensuite, au feu à droite. Et tu me verras sur la route du deuxième feu. Ah non, mais c'est pas bon. Moi, j'étais en train d'acheter un garage, moi, mais non. Ah non, non, faut pas acheter un garage. Ça, c'est celui d'avant, ça. Sabdam, il va peut-être acheter un garage. Allez, vas-y, est-ce qu'on capo. Peut mettre des warnings? Parce que là, ici, oui, tu fais F. Pourquoi ils sont arrêtés, là? Il y a un accident, mais c'est pas possible. Ah bah il pleut hein. Fiona Alice, pas oublié. Préparation, j'en ai pour 8000, 8900. Ouais, j'en ai pour 19 000.
Merci Capo. C'est cadeau. J'ai fait ma mission juste pour payer le truc en fait, en gros. Et même c'est pire, ça m'a bouffé plus quoi. Ouah ! Aïe aïe aïe. Le train. Bon, alors je vais me reposer. T'as eu le temps de faire ton repos quand même, t'as pensé ? Ouais, 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 j'ai fait le repos aussi, ouais. Par contre, il faudra que je fasse sûrement de l'essence, parce que là, je vais pas faire le nombre de kilomètres qu'on a. On a 1155, j'ai combien d'autonomie là ? 1155. J'ai... Exactement identique, ça se tente ou pas ? 3070, mais oui, ça se tente. Non, mais tu le feras en route. Ouais, je le ferai en route, oui. De quoi ? Alors, Sabdam. J'ai 1160 km d'autonomie. Là. Ça va. Tu es où ? Je suis à la sortie de Chitrato. Je te vois sur la minimap. Bon alors, elle se lève cette barrière là. Je suis en warning au carrefour où il faudra que tu prennes à droite. Ok. Tu parles à moi là ? Oui, je parle à toi. Oh, il y avait de l'essence derrière, qu'est-ce que je fais ? Tu arrives à un feu là. Est-ce que tu vois que tu arrives à un feu ? Non, je passe sous un pont. Mais t'arrives bientôt à un feu là, ça tourne un peu à droite, puis après ça va tourner un peu à gauche. C'est moi ou il se moque de moi là, le passage à niveau là ? Il est en train de charger mon train à moi maintenant. Ah, d'accord, t'as un train qui passe toi ? J'ai pas, non, mais j'ai la sonnette en tout cas. Bah moi aussi je l'ai, mais moi j'ai vu passer le train de droite à gauche. Passe le Doudan et puis je pense que le feu est juste après, c'est ça ? Mais il y en a peut-être un autre qui a, je sais pas. Punaise. Ah, il y en a un autre qui arrive. Là. Même c'est le même que j'ai vu. Bah, t'es le mien celui-là. Non, c'est pas le même, il était avec des wagons orange. T'as eu le tien et t'as eu le mien, comme ça. C'est possible. Oh. Ah, du coup, c'est le fameux long, parce que l'autre il avait juste 3 ou 4 wagons seulement. Tu m'entends, Sam ? Oui. Là, tu t'en il déraille un peu le train quand même. Ouais, je suis sûr. Il déraille un peu le train à l'arrière, il saute un peu. Quand tu regardes le truc. Il est possible que je sois en train de créer un bouchon. Attention, il y a le feu. Ah, j'ai essayé de conduire bien. Et le réparateur, je le vois comment ? Prochain feu c'est à droite après. Là où on est. Ouais, là, nous, on est là. Bah, on va attendre là, Nico. Ça, il va nous voir, il va passer. C'est ça. Nous, on va ouais, mais non, parce que là, je suis en première ligne. Mon camion, il est nickel. Je vais attendre de l'autre côté, moi. J'avais laissé une marque de sécurité. J'en ai en plein milieu de la route si tu veux, mais. J'avais laissé une marque de sécu. Regarde, voilà, comme ça il pourra pas se tromper. Allez, ah, Nico, commence à avancer, rattrape-moi. Ouais, attends. C'est là qu'il faut. Juste pour. Ouais, c'est là qu'il va prendre la remorque. Non, il y a des bouchons, il va pas pouvoir passer. Ouais, tu tournes là. Oui, c'est ça, ouais. Allez, monte à droite. Et après le passage à niveau, un peu plus loin, t'as un garage et après t'as une réparation. Michael Porter, c'est... Il s'est fait le rouge en plus. Tu peux profiter pour faire tout aussi là-bas. Il va sur l'emplacement vert et tu fais comme si t'allais dans un garage et tu peux faire réparer. Oh punaise, il y a des bouchons dis donc ici. Oui, c'est moi. Et les camions sont dans warning. Prends la voie de gauche. Mais là, ils vont vraiment plus pouvoir passer les autres. Hein. Déjà, il y a un camion blanc, je pense qu'il fouille, il attend. Je vais peut-être avancer un peu quand même, parce que là, mais c'est le bordel. Même pas sur regarder, il y en a un autre là quand même qui est en warning. Ouais, le camion blanc. Oh, reste là, c'est marrant. Ils vont voir des bouchons. Ah non, je veux pas acheter le garage. C'est celui d'à côté, t'as raté. Alors attends, je mets les warnings pour celui qui arrive derrière comme une balle. Ah, c'est bon. Ça passe. Tout juste, ça passe. Ah, mais je pensais pouvoir faire le tour. Je suis pas dans la merde. Bon. Allez, moi je me mets à 30. Et à
embouteillage, il y a un camion chargé de voitures. Il passe comme un malade, le mec. Ça. Je pensais griller celui qui était passé. Ben, en fait, je l'ai passé la citerne qui était à côté de moi au feu. J'ai voulu passer le jaune juste devant le jaune qui était encore derrière, mais il est passé juste comme une balle. J'ai dit, si je forçais, il me forçait le passage. Je m'engage tranquillement sur l'autoroute. Ouais. C'est un petit peu mieux qu'avant quand même. Avant, c'était du grand n'importe quoi. Ah ouais. Alors. J'ai le régulateur à 40 pour mon entrée sur l'autoroute. Ouais. A 8, direction Gênes. J'ai un nouveau feu rouge. Ça avance pas. Hein. Ah bah ouais, il a fait le bouchon la rue, donc du coup t'as tous les camions. T'aurais dû faire la voie de gauche. Ouais, c'est pas... ouais, je sais. On a cette dame qui a son quai derrière. Là, on a une bonne de route à faire, donc on va essayer de se la faire comme on peut. J'ai combien ? 9h, 38h, 16h de route. Ouais, ça se fait. Hein. Ouais, 15h30, c'est... 1h, c'est 6 minutes à peu près de jeu, donc... Ouais. Non, même pas. Ah si, ouais, si, c'est... attends. Si, c'est ce qu'on s'était dit après hier, je crois, il me semble. C'était une minute, c'était 4 secondes, 3-4 secondes. Ouais, c'est ça, non mais quand tu vois 100 km, en fait, tu sais que t'en as à peu près pour 10 minutes. Ah d'accord. Ça te met 6 heures, tu sais que t'en as à peu près pour 6 minutes. C'est 36 minutes. Alors du coup, prochaine station service, c'est où ? Oh, c'est pas tout de suite, hein. Ça va, ça devrait. Attention, t'arrives vite derrière. Ouais. Tu crois? Oui, moi je suis à 30. T'as un warning, c'est bien. Ça donne pour faire des réparations. Ta-ta-ta-ta, parce que je me suis engagé dans un endroit et comme je maîtrise hyper bien le camion... C'est pour ça que je suis à 30. J'attends ça de dame. Roule à 10 alors si tu m'attends. Bah non, le régulateur, le minimum c'est 30, hein. Je vais pas rouler sans régulateur. Tu peux pas, ouais. Combien je consomme en roulant à 30 sur l'autoroute? 42 litres. Ah oui, mais ça grimpe. Bah ouais, c'est ça. Je suis qu'en 8ème en même temps. Ah ouais, c'est ça en fait. Si tu passes en manuel, non. Par contre, tu peux passer. Moi je suis en 6 là. Je suis à 20. Il me colle en 7ème carrément maintenant. Par contre, c'est ça, je fais entre 20 litres, 129 litres. 20 litres, 129 litres pour garder le vin. Pour garder le vin. Au moment où j'ai flexé l'accélérateur. Ouais, c'est pas top. Sam Dam est toujours chez le réparateur. C'est ça. T'arrives vite, capot. Je viens me coller derrière vous. Ça. Opération escargot. Ah ouais. Je me mets au centre. Ah, ils vont doubler par la droite. Ah oui, ils doublent par la droite. Ils ont pas de problème avec ça. Et moi j'avais peur justement que ça te mette des amendes si tu doublais par la droite, mais on se ferait tranquillement. Ah, c'est marrant, en fait, tu sais que t'as des pays où t'as le droit. C'est pas une route. C'est vrai. Angleterre. Ouais, aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, t'as pas le droit de changer de voie de manière intempestive. Il se moque de toi parce que quand il dit en Angleterre, c'est que surtout tu roules de l'autre côté, donc c'est normal que tu doubles par la droite. Oui. Non mais du coup, j'ai traduit doublé par la gauche en Angleterre. Mais... Je sais pas. D'ailleurs, je sais même pas si. Aux États-Unis, ça m'a surpris. T'as pas le droit de changer de voie de manière intempestive. Genre, tu vas doubler une bagnole, ça t'amène sur la voie de gauche. Bah tu dois rester sur la voie de gauche à moins que tu aies une raison de devoir retourner sur la voie du milieu. Ah ouais, ouais. C'est chelou ça. La raison pouvant être que quelqu'un veut te doubler. Et tu te rabats à ce moment-là. Oui. Mais... Ouais, c'est un peu con, ouais. Ah. Du coup, ça laisse pas la voie libre, tu sais pas ce que j'en fais. Après, ouais. C'est pour éviter que les gens slalom. Ouais.
Ouais, bah. Alors, confondre, quand il y en a un qui fait ça, tu me fais. Putain, tu l'as acheté la boîte gauche ou quoi, dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Ah, c'est vrai que c'est pénible, hein. Moi, ça, moi non, c'est plus les pires, c'est pas la voie de gauche, mais ceux qui sont au milieu, tu sais, qui se rabattent jamais oui. sur la droite. Ouais. Ça t'arrive, moi je suis sur la voie de gauche, j'arrive plus vite qu'eux, je les double. Sur la voie de, la, la voie de droite, tu veux dire. Ouais, et moi, souvent, là, généralement, moi je suis là, j'arrive de la voie de droite, je te débarque 2-3 voies à gauche, mec. Je me rabats ouais, et je rabats juste devant, ouais. C'est ça, ouais. Voire des fois, je fais un appel de phare quand je passe juste derrière lui, mais ça marche pas toujours. Samdam est toujours au garage. Samdam, sérieux. Je sais pas manœuvrer, hein. Je t'explique pas. Mais il y a juste à se mettre la cabine sur le truc pour réparer. Ah mais écoute, je me suis engagé pas dans le bon garage. Et ah. J'ai cru que je pouvais faire du vide tout autour, mais non. Je suis arrivé au fond, c'était un cul-de-sac. Ok. Bon, là c'est chiant, je peux pas que c'est... Là ça descend tout seul, donc je vais le freiner pour aller plus vite. Mets le retardeur. Je sais pas le mettre, tiens d'ailleurs, faut que je regarde dans les. Ah non, je peux pas regarder parce qu'il faut que je m'arrête. Ah bah non, oui, non, mais M, moi du coup, moi j'ai mis la map, ouais. Bon, attends, je vais m'arrêter de toute façon sur le bas côté, c'est pas très grave. Quoi qu'il y ait les gendarmes derrière là. Tu peux t'arrêter au péage? Ah ouais, t'as raison, oui. C'est bien que l'uniteur à 30 au moins pour le péage, t'es nickel. Oui, c'est ça. T'es toujours à vitesse constante. Puis tu vois du Puis paysage. Ah, c'est le moment parfait pour se mettre dans cette vue là. Voilà. La vue 8. C'est idéal. Ah oui. Ça fait juste bizarre. Par contre, c'est surtout que si t'arrives au péage, faut faire gaffe. Ah oui, faut bien viser avant. Ah ouais. Oh là. Ah oui, quand tu te mets de loin, là. La vue de loin, elle est nickel, ça, elle est belle. Ça. La vue cinématique. Ouais. Ouais. Par contre, quand on regarde, ça regarde devant, on sait plus. Enfin, tu vois l'avant du camion, tu sais plus du tout. Ouais, mais à 30, ça va. Ah, bah, il vient d'arrêter tout seul. Ah, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu roules, peut-être, non? Ah, je sais pas. Laisse-moi en vue cinématique, c'est. Je suis bien, je suis à 30. Alors. Option. Ouh, le joli petit pont. Contrôle. Sabdam, comment il s'appelle ce pont sur la 8? Toi qui connais toute la région. Oh merde, allez, dégâts 9%. Ça tombe bien, t'allais au garage. Ça tombe bien, moteur. Juste à l'entrée du garage en plus. Frein moteur. Allez, dépassement, temps de dépassement. Allez. Ça tombe bien, il y a de quoi se dormir au garage. Il y a même le frein de remorque du coup. Oui. Ouais. Alors, est-ce que si je fais. Ça s'active le frein moteur. Ça, j'ai connu 4 500 euros. Ah là. Frein moteur, activer le frein moteur. Augmenter. Ah non, ça fait halt ça. Merde. Y a pas de bouton halt. Y a le bouton halt. Ah si, contrôle et. Ton rapport inférieur. Ah ok, d'accord, je fais ça. Non, parce qu'en fait, on m'a souri, les deux autres boutons que j'avais, ça fait des. Alors, attends. Monter un rapport. Ça. Descendre un rapport. Ça. Augmenter frein moteur. On va faire ça. Ah, il veut. Est-ce que j'arrive à te voir sur ma vue cinématique, Capo, non? Ah voilà. Non, oui, il me lève la vue cinématique. C'est nul. Ah voilà. Qu'est-ce que j'ai comme tige touche de dispo là? Est-ce que c'est toi le camion qui est pas loin derrière moi, Capo? Avec juste une bagnole entre deux. Non, non, il y a deux camions. Il y a un qui. Derrière toi, il y a une voiture, deux camions, qui est un peu plus loin, un camion seul. Ah ouais, c'est ça. T'en es où cette dame du coup? Je vais me reposer. Il y a un camion qu'on a eu marre de dessus, il a dit. Hop, 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 hop. Ok, ça c'est limite la vue cinématique quand tu regardes les autres camions et qu'il y a un virage.
C'est pas facile de naviguer en vue cinématique. J'ai essayé là. Même si ça tourne un petit peu, tu sais pas trop vraiment l'angle que tu prends. Ah, puis tu peux pas mettre la vue cinématique dans les tunnels. Je me gare à côté des camions, c'est ça? Pour dormir, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est les parkings. T'es pas obligé de te garer fait. Propre, hein. Tu peux te garer un peu en travers. Il va te marquer appuyer sur eux pour arrêter le moteur. Et c'est ça. Voilà. Ta cabine est soit sur l'emplacement. Tu reviens. Nous, on passe la frontière allemande. Hein? Encore? Non, je dis ça à Sabda, moi. Téléporte-toi directement. Ah, ça va aller plus vite. Par contre, on est presque en Italie, là. Ouais. Et on est... Attends, on n'est pas dans le tunnel qui avait vers l'Italie? Si? Non? C'est quoi de l'autre côté du tunnel? La Nice... Quand on remonte de Nice, comme ça, vers l'ouest... vers l'est, je sais pas trop, on arrive sur la 10. Ah non, parce qu'on est toujours sur la 10, en fait. Mais la 10, elle est pas là en France. Hein. Ouais, je sais. Je sais rien du tout. Je pense qu'on est en Italie, là. Ah, c'est pas... On c'est est carrément en Italie, oui. On est carrément en Italie depuis un moment, même. C'est un poste frontière sur lequel on arrive, là. Hein. Je pense que Nico, il était au niveau de l'Italie, là. Moi? Ah non. Tu crois? Je pense. Le poste frontière, c'est pas sur quoi on arrive, un petit peu plus. Merde, je suis trompé. Non, c'est un péage. C'est juste un péage? En marron, c'est un péage. Par contre, là, regarde, c'est écrit en italien au-dessus. Les panneaux. Station halte, tu connais la station halte? Ça veut dire attention, attention péage. Halte, station halte. Stop. Arrêt péage. Arrêt péage. ALT, ALT, ça c'est. Non mais. C'est comment en italien stop ou halte? Stop. Arrêtez-vous. Stop. Ouais. Stop. Et ALT, ça veut dire quoi alors du coup? Stop, arrêtez-vous. Halt, comme tu dirais halt en français. Halt là. Ah, il a perdu. Ah non, j'ai cru que ça passait, mais ça passe pas. Bon bah, Sabdam va réparer. 17% de dégâts. Oh putain. Sabdam va réparer. Ah, télépéage. Mais non, je peux. Ah, il est à droite le télépéage. Ouais. Attention, le télépéage est à droite, Nico. Ok, ça marche. Ouais, je suis là, je suis à l'arrêt, je regrette mes boutons parce que j'ai fait un peu de n'importe quoi. C'est les deux voies de droite. Je vois pas le retardateur, en fait, je vois augmenter le retardateur, diminuer le retardateur, mais je vois pas ça. Activer le retardateur. Mais augmenter le retardateur, c'est l'activer, quoi, parce que là, par défaut, il est désactivé. Tu l'augmentes un peu pour l'activer. D'accord. Puis tu l'augmentes de plus en plus, et puis tu le diminues, et complètement, bah, il est désactivé. Ok. Alors je vais tester avec ça et ça comme bouton et du coup faut que je me remette la carte de la map. Carte de la map. Bouton de la map, mets-le sur la virgule à côté du N, c'est très bien. Tu auras à force. Ouais mais du coup toi je l'ai remis sur le M parce que j'ai remis un peu n'importe quoi dans mes trucs là, donc enfin, n'importe quoi. Manette, quoi. Ah non, avec le clavier. Ah, moi j'ai le clavier qui s'éclaire de toutes les couleurs avec le. Les extensions. Hop. Les extensions Razer. Pour conduire, c'est volant en lunettes, mais j'ai pas. J'ai mon warning, ma touche F qui clignote avec le warning. Ah, ça y est, j'ai le retardateur. Voilà, je vois, je bouge la petite manette maintenant. Par contre, je sais pas combien je le mets le retardeur du coup. J'ai pas d'infos quelque part. Bah, c'est l'avantage, moi, c'est que ça s'allume et avec trois couleurs différentes.
Ouais, moi j'ai un vieux camion, donc du coup, je pense que je paye. Ah non, sur mon clavier physique. Ah. Là, ma touche M, elle est en jaune parce que c'est éteint. Si je l'allume, ça se met en bleu, et s'il est allumé à fond, ça change de couleur. Ouais, ah oui, mais t'as un truc high-tech là. Ouais. 17%, je roule avec. Et puis, je suis à 30 et je double. Ah non, c'est le camion qui est juste derrière toi en fait. T'es à moins que 30? Non, je suis à 30. Ah, mais par contre, je peux pas rouler plus que 63 là. J'ai failli rentrer dans le camion qui est derrière toi à 30. T'as peut-être activé ton retardeur, Nico? Ouais, mais du coup, je sais plus comment le désactiver maintenant. Avec la touche pour le désactiver, que tu avais. Ça sert à quoi, enfin, et j'en ai pas vu moi. Le diminuer. Diminuer le retardeur. Attends. Qu'est-ce que tu disais, Sabdam? Ça sert à quoi le retardeur? Appuyer sur bouton 4. Ah mais c'est comme bouton 4. Du pavé numérique, je pense. Non, ça c'est pour... Ah, tu crois? Non, le bouton 4 du pavé numérique, c'est pour regarder à gauche. C'est rétro. Ah oui. Je sais pas. Punaise, où est-ce que j'ai un bouton 4? Ah, le bouton 4 de la souris. Ouais, mais non, j'en ai pas 4. Alors attends, là, si je fais ça... Ouais, là c'est bon, je vais retirer, je pense. Alors, est-ce que je peux remonter plus là ou pas, moi? Ouais, là c'est bon. 73. Coulom, coulom. C'est toi qui es en train de doubler le camion, Capot? Bah, je suis obligé de le doubler, il avance pas, je suis à 30. Moi aussi, je suis à 30. En train de me rattraper, je te vois sur mes vues cinématiques. Bah, ouais, je suis à 30. Non, il est toujours réalisateur activé là. C'est pas possible ça. Par contre, là t'as bien fait de le doubler parce qu'il faut qu'on se mette sur la voie de gauche. Je quitte Nice. Miracle. Ah, ça y est, c'est quand t'es tout en haut du coup. Ouais, du coup, je suis pas reparti parce que c'était chiant pour faire demi-tour. Je suis pas allé. C'est bon, je vais avancer, j'irai ailleurs. Aïe, la barrière. Allez, c'est un peu vite. Ouais. 30, ça passe. 50, ça passe moins. Je sais plus à combien j'étais. Là, je vais me mettre à 50 parce que là. Merde, 30, la marchandise fait flic. Il faut un mélange un peu de tous les paysages qu'il y a autour de l'île. À 50? Ouais. Allez, je me cale à 50 aussi. La Sabdam est sur l'autoroute, il va nous rattraper en faisant des excès de vitesse. Il va ressortir de là, il aura plus une thune. Ah, si on roule à 50 et toi à 80, tu vas nous rattraper, ça. Si tu fais pas d'accident... Oui. Si tu rentres pas dans les barrières au péage... Bah, c'est vrai qu'il faut que je fasse de l'essence, moi. Par contre, déjà, le truc qui va nous rendre traître, c'est si on roule lentement, c'est qu'il va falloir dormir plusieurs fois. Mais au bout d'un moment, on va être un peu juste en termes de temps. Non, parce que quand on dort, là, on consomme pas de temps. C'est instantané. Je crois pas, non. Si. C'est instantané, mais le temps passe, t'es sûr? Non, je te jure. Ah, j'avais pas fait gaffe. Non. C'est instantané, même quand tu prends le ferry, ça consomme pas de temps. Parce que ça passe pas du jour à la nuit pour vous quand je prends le ferry, ou inversement. Ça passe pas du jour à la nuit pour vous quand... C'est vrai, t'as raison, oui. La nuit pendant que je dors. Mais j'ai rien touché. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais si j'avais mémé dans sa Fiat Panda devant toi, tu l'as pas vu? Regarde tes rétros bien en bas. Regarde le rétro avant. Oui. Regarde s'il n'y a pas une petite bagnole coincée en travers devant ton camion. Ah, c'est ça. J'ai fait une mini. Genova à droite. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !